qu'est Alessia le Barbaire sur Duos of Space aujourd'hui pour faire la quête bois, fer et acier à Udingard en mode réaliste pour le troisième épisode sur Duos of Space, donc de cette petite aventure que je fais avec vous de Fort Honor en difficulté réaliste. C'est parti, et cette fois-ci nous allons incarner le Jarl, ok. Donc Stigander, ah oui, c'est celui qu'on a libéré dans l'épisode précédent. Je vais laisser... Ouais, ces compétences-là me semblent pas mal. Celui qu'on a libéré avec le Hersir la dernière fois, donc... je sais pas trop comment se joue le Jarl, hein. On va voir... on va voir ses petites aptitudes. Je saute le chargement comme d'habitude et à tout de suite. Alors... apparemment, nous devons rejoindre l'entrée latérale. Parfait, frappe ciblée, RB et RT. Ok. Ah, donc ça, c'est les frappes sans le mode garde. Allez, on va tester ça. Oh, bien joué. J'ai pas pu cancel mon attaque. J'ai pas eu le temps. Oh, le coup de boule. Oh, cette attaque, par contre, je l'aime. Oh, le coup de boule. Bien joué. Ok. Je suis à froid, hein. Faut... voilà, petite précision. Voilà, première exécution. Oh là là. Oh, le coup de boule. Within respect. Respecte le pape. Ok. C'est beau, hein. Bon, allez, j'arrête de m'extasier sur le décor. Et on... d'accord, cinématique. Par la barbe d'Odin. Invasor! Bellicum canite! Ces obsidiens n'étaient visiblement pas fichus de fortifier nos défenses. Ok, ça parle mal. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce mode histoire de Fort Honor. Parce que oui, je l'avais fait en mode normal, hein, en mode facile, mais il y a un bout de temps. Franchement, je me rappelle plus. En quoi ça consistait? Et je l'avais pas fini par contre. Bien joué. Ah, on était trop loin. On va être à portée quand même avec le Jarl. Ah, bien joué. Exécution. Très bien. D'accord, donc là, on a des ennemis. Bon, on va s'occuper. Il fallait que j'ouvre ce portail. Oh, l'hypercule. Mais il est infernal. Voilà. C'est tellement stylé, ça. Ok. Oula. On a un ennemi, un fléau. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. Non mais... oh. Il n'oublie pas mes attaques, quand même. Quand même. Bien joué. Bah alors, viens là. T'es bugué. Faut se calmer. Il est relou. Alors, on s'est fait prendre par la scie. Oula. Attention, que j'ai plus d'envie. Hop. Oh, bien joué. Attention, quand il fait ça, là, c'est... faire gaffe. Voilà. Terminé. Bon, ça va, pour une fois où je me suis pas chauffé... Disons, je crois que jamais je me suis chauffé avant de tourner un épisode de... J'ai... ça va, je... Rejoins le portail, Steve. Ah, ok. On va ouvrir un portail, apparemment.
Ouais, non, ça va, je suis plutôt fier de ce que je suis en train de faire. D'accord, là il y a du monde. Bon, on va pouvoir y aller. Ok, comme dans le Mario, on a le même mode garde. Ah, il y a un fléau ici par contre. Ok, va falloir faire très attention. Non, c'est ça que je voulais faire. Allez bien, approche. Oh non. Ah oui, voilà. Le contre est tombé. Ah, celui-là. Celui-là de coup du feu, il est toujours aussi chaud. Ah, on a cassé son attaque. Ah, il est chaud. Il est partout. Ah, j'en veux la garde trop tôt. Biscuchi. Il est relou. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est à la queue leu, on les élimine tous. C'est pas plus. Voilà. Lui. Relou, hein. Tu es relou. Ah, eh bien, c'était bien relou tout ça. Là, il y a du monde là-bas. Ok, on progresse, Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Prenons l'échelle. Ok, donc du monde qui m'attend. Une grenade. On a bien vu dans les épisodes précédents à quel point c'était important. J'ai tué tous les boss avec la grenade. Abusé. Avec sans honneur, tu sais. Commencez pas à me prendre la tête. Ah, ça sert à rien de jouer à Fire Honor pour faire ça. Hein. Là n'est pas la question. Je suis contre des IA. Complètement pété. Oula. Après, je fais sûr. Ah, il y a un Holden Cross là-bas, là. Lui, là. Vous voyez? Comme de la peste de ce genre de personnage. Voilà. Vous voyez, bon, il a fini par mourir par les flammes, mais oh, par contre ça m'inspire. Bon, on va d'abord s'occuper d'ouvrir les portes comme demandé. Allez, mets les tous. Ah, je dois atteindre la baliste. Ce qui fait délirer avec ce personnage de Steve Wonder, quoi, il s'appelle comme ça, là, le Yarl. C'est son. Sa voix, genre une petite voix de papy, tu sais, en mode. Ah, j'ai réussi à ouvrir les portes malgré mon arthrose. J'ai enfin réussi à emmener les guerriers vikings ici pour leur faire la peau. Montant, croyez-moi, on se prenait pas autant la tête. Ok, donc là on a une petite baliste. Allez, prends la baliste. Il faut que je tue tout le monde. Oh, ça me fait. Vous plaignez presque les chevaliers. Oh, c'est pété. Oh, c'est trop facile. La 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 la. Il la tient, c'est le rythme du vin. Mais sur nos terres, c'est la jazz, et bip-hop. Ce qu'il lui faut, c'est un pas de membres. Vous zoomez tout, non mais là, c'est ultra pété. C'est ultra pété. Allez, collade. Hop. Hop. Voilà. 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 Réché. Voilà.
plus que 20 secondes. L'endroit est à nous. Ok. Ah non, il en reste un là-bas. Bon, c'est pas grave. Là, lui là. Wesh. Bon bah voilà, on les a démontés. C'est plus facile. Oula. Ils sont trois. Nous sommes deux. Nekae ensemble. Par la barbe d'Odin. Je parle pas ta langue. Bon par contre là, on va la jouer comme ça parce que. Sinon. Hop. Allez. C'est tout, y'en avait pas un troisième? Si, y'en avait un troisième. Un troisième qui m'attend ici, sans nul doute. On s'occupait de tes potes. Maintenant, à toi le tour. Julius. Oh, il s'appelle Julius. Je respecte. Oh, bien joué. Oh, esquive. Mais, j'ai jamais paré ça. Bien joué. Il va falloir que je pars. Non, on la joue. Quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait comme fou là qui m'a tourné comme ça? J'avais pas fait la sentinelle là, comme ça. Oula, par contre, près de la flotte, c'est pas recommandé. Voilà, c'est quoi ça là? Tu m'énerves. Je comprends pas ton coup. Bon, bah, il est mort. Mais à chaque fois, il a un coup qui m'étourdit comme ça. Autant ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les Chinois, les Japonais, les Asiatiques. Les samouraïs! Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Oh. Tout le temps, il se cache de barre. Le pillage. Oui. Nous appelait. Mais déjà? Ah bah c'était relativement simple, hein. Voilà, bah écoutez, parfait. Pour cet épisode, nous allons nous laisser ici, sachant que dans l'épisode 4, par contre, ça va être épique. Hein. Là, ça va être l'invasion, ça va être le débarquement jusque. Alors, je vais me renseigner sur la question pour savoir si c'est des Chinois ou des Japonais, parce que je suis vraiment nul en tout ce qui est culture asiatique et tout. Mais bon, dans tous les cas. Les Vikings vont prendre leur bateau et débarquer à Kaiokab, ok. Et ça va être épique, hein. Waouh. Bon bah j'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode 4 très bientôt. Je vous fais des gros besos, estabal barbero. Des bisous à tous. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like sur la vidéo comme d'habitude. Si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. De gros bisous, à plus.